Hors jeu. Toi pour un sang, tu seras au standard. Et tu vas me faire les. Bah, t'assois là-bas. De 22h jusqu'à 3h du matin. Et je te préviens, la première faute que tu vas me faire, je te jure, je te louperai pas, je te mets une barbe dans ta gueule. Parce que là, j'ai plein de choses à cause de toi. Sandy, bah, elle est jalouse. Alors ça, j'en ai marre. Voilà, mais non, mais moi, je vais dire un truc. Non, mais moi j'en ai rien. Non, mais attends, pour l'instant, tu me coupes pas, d'accord? J'essaie de parler devant, hein, mais... Pour l'instant, tu me coupes pas. Pour l'instant, tu me laisses finir. Parce que moi, si tu continues tes petites sérénades. Je ne vois pas dans le choix. Je t'aime, ceci, cela. Pour l'instant, tu es en train de mettre jalouse Sandy. Ah, mais ça, c'est à toi de gérer. Non, mais attends, c'est à toi de gérer. Non, c'est pas à moi de gérer, c'est à toi. Ouais. Parce que ça, t'es quoi? Toi, t'es qu'une stagiaire. Pour l'instant, t'as fait chier Max. Et à cause de toi, Sandy, on sait pas si elle va venir dimanche. Alors, ok, clair, net, précis. Alors, ce soir, non, pour l'instant, tu me laisses finir. Ce soir, tu vas me perdre jusqu'à 3h du matin, le standard. Ok. Et sans personne derrière toi. La première interloupette. Après. T'écopes pas. T'es naze, t'es mort. T'es foutu, la peau. Mais t'inquiète pas, il n'y aura pas d'entrée. Ouais, t'inquiète pas. Tiens, comme ça. La bite à mon cheval. La main de ma soeur dans la culotte d'un joie. Ouais, t'as raison, Manu. Ben voyons. Ouais, t'as raison, Manu. C'est vrai. Ouais, parce qu'elle est même pas capable. Elle est même pas capable d'épauler l'équipe. Bah, c'est normal. Hein? T'es payé. T'as demandé ton contrat. T'as fait chier Max, pourquoi? Pour avoir un contrat. Et tu l'as. Maintenant tu l'as, maintenant t'es pas capable de les épauler. Tu fais chier Manu, ouais. Tu fais chier Rigo et tu fais chier Pildar. C'est clair, elle me fait trop chier. Alors, ouais, mais on va quand même. Non, mais moi, il faudrait quand même qu'on s'arrange dans l'équipe, on va pas non plus la mettre en quarantaine, donc Pildar. Alors maintenant, je te mets les points sur les i, les barres sur les t. Ce soir, t'es jusqu'à 3h du matin au standard et tu me fais du boulot. Tu me fais pas de boulot, je te jure. Je te mets pas 5, je t'en mets qu'un au premier, t'es dehors. Okay. Et marche. T'amuses pas à faire ta jouissance de merde. Parce que, je vais te dire une chose, toute l'équipe a été décontractée, personne a chaud, il n'y en a qu'une qui a chaud, c'est toi. La chaude, elle a chaud. La chaudasse. Quoi, quand tu me vois, t'as chaud. Ouais, mais attends, je couche pas avec toi, espèce de... Non. J'aimerais dire un mot, Gérard. Moi, au niveau d'Apolline, je pense que quand même c'est important qu'il y ait une fille dans l'équipe. Ouais. Parce que toi qui aimes bien avoir des nanas dans les débats, les nanas elles aiment bien des fois avoir une fille au standard. Non, moi je veux te dire une chose, Sulda. Pour l'instant, elle est en train de. Constamment, parce que moi j'écoute. Et Sandy, c'est dommage qu'on puisse pas la voir. Elle avait qu'à être là un soir, t'avais dit qu'elle venait. Moi je veux te dire une chose, elle a plus de 200 cassettes de Surmax. Hein, et fais-moi confiance que sans toi, ça se passait super bien. Et depuis que t'es là, t'es en train de foutre de la merde dans l'équipe. Et ça, foutre la merde dans l'équipe, il est hors de question. Oh. Il est hors de question que tu foutes ta merde. Alors explique-moi ce que je dois faire pour que ça marche, quoi. Mais attends, explique-moi. Bon boulot, attends, quoi, tu fais une chose. Déjà, tu sais ce que t'as à faire. C'est d'épauler Manu et Pildar, c'est eux qui sont capables. Merci Gérard, ils sont là pour te dire comment que ça se passe. Mais ils me disent rien aussi, donc dis-moi. Ouais, ils disent rien. Mais attends, t'arrives à quelle heure toi la journée? Non, ouais c'est vrai ça. Bon. À 10h du matin. Ouais, tiens, mon cul. Bon, on va peut-être arrêter maintenant de faire le règlement de compte entre Pildar et Apolline. On est d'accord qu'il faut qu'elle fasse du bon boulot, Gérard. Gérard, maintenant j'aimerais que tu donnes tes directives pour ce soir et les débats. Moi pour ce soir. L'équipe d'abord, débats, qui fait quoi et après qu'est-ce qui va se passer? Les deux débats. De toute manière, Manu, tu vas prendre le standard. Pas au premier. Hein. Au deuxième alors. Au deuxième, okay. Ouais, pas de problème. Ok, sans problème. Mais attention, une chose qu'il va bien falloir se dire, tu prends l'AREA, mais je ne veux pas l'histoire des jouissances. Comme d'habitude. Bah c'est pas moi de toute façon les jouissances. Mais là maintenant, tu as essayé de comprendre à l'autre chienne là. Ah non, on a dit qu'on arrêtait, d'accord, espèce d'enculé. Ça, Gérard, sois un peu respectueux. Non.
Oh, tu me parles sur un autre ton, d'accord? Elle est pas là. Tu me parles sur un autre ton, d'accord? Attends, elle te parle bien là. C'est toi qui traite. Bah, c'est toi qui la traite de. Ah ouais, là, les gars, putain, on peut pas toujours se mettre. Gérard, oh, calmos, c'est haut. Vamos à la playa. Moi, je vais te dire une chose. Vas-y, regarde-moi pas avec tes yeux doux parce que j'en ai rien à foutre, ok? Mais je te kiffe. Commence, moi je te kiffe pas, d'accord? Moi je t'emmerde. Oh bah t'es pas sympa. Tu peux faire un effort quand même. Prends ton micro, GG. Hein? Alors maintenant tu as... Bon allez, on peut arrêter de parler d'Apolline là. Est-ce qu'on peut revenir sur les débats? Bon, Manu, tu prends l'aria. Ouais. Donc, pas d'histoire de... De jingle. Pas de problème, mon pote. Hein? Parce que, premier bordel, moi c'est simple, je me casse. Ah non. Ah non. Fildar. Ouais. T'es au standard. Ouais. Donc un conseil que je te donne. Ouais. Vous amusez pas. Non. À faire comme vous avez fait la semaine dernière. Non. À couper les gens. Non. Et à les reprendre sous d'autres noms. Non. Ensuite, deuxième. Alors, le premier débat, c'est sur quoi, tu m'as dit? Sur les cliniques? Donc, premier débat, ça portera sur le Festival de Cannes. Alors, Fildar m'a dit que c'était sur les cliniques, finalement, que tu avais changé au dernier moment. Qu'est-ce que c'était dire, toi? Là, je sais pas ce que tu m'avais dit au téléphone. Sur les cliniques? Les cliniques de Cannes, tu m'as dit. Apolline, pour l'instant, c'est pas à toi qu'on s'adresse. Ouais. Ok, donc tu t'es. Voilà, bah ça c'est bien. Là, t'es un homme de parler comme ça. Déjà, le premier débat. Non, tu reviens sur Gérard. C'est sur le Festival de Cannes. D'accord. Ah, il m'a dit, Fildar, qui est là. Non, il m'a dit, lui, là. Il m'a dit là, sur les kystes. Il va se calmer. Bon. Et deuxième débat, donc, tu refais un deuxième débat, je croyais pas, sur la préhistoire. Non. Sur la chirurgie esthétique. Ah, Rigaud m'a dit la préhistoire, ouais, que tu remettais ça. Bah ouais, Apo, elle m'a dit la préhistoire. Bah ouais, mais tu m'avais dit la préhistoire. Ah, Apolline, pour l'instant, c'est pas toi qui commande dans mes débats, ok? Alors. Tu vas faire une chose, tu vas faire de 10h à minuit le standard et après, hop, basta. Ah mais non, non, non. Non, 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 quoi, mais non. Mais non. Non. Moi je te dis, tu te casses. Ah non. Tu te casseras à minuit. Tu peux me laisser une dernière chance. Non. Ah bah si. Non. Bah, oh, bon. Non. Bah allez. Non, il n'y a pas d'aller. Non mais de toute façon, le problème c'est que c'est toi qui fais les débats, donc après... Non mais moi à minuit, déjà, elle n'a pas à dire à Manu c'est quoi le deuxième débat. Non, c'est pas ça, okay, qu'elle a dit, c'est pas ça. Hop, à minuit t'es dehors. Donc, hop. Alors... Apolline vient tous les soirs et pour tous les soirs elle te fout la merde. Non, ça va. Non, ça, oh, va. Attends, non, ça va, moi ça me convient. Attends. Qu'est-ce que vous en pensez, Fildar? Elle bosse bien, tu vois, elle bosse bien. Elle bosse bien la semaine. Bah ouais, elle bosse bien. C'est ça. Ouais. Alors je vais dire une chose, que là vous vous trompez tous. Hein. Bah non. Je sais, mais parce non. Parce que moi j'ai écouté, et faites-moi confiance que sur la nuit, 100% conseil. Ah oui, mais il y a ça, mais le reste du temps est haut. Il y a ça, même les trois quarts du temps, dimanche on n'est pas venu. Faut se dire une chose, qu'elle allume trop vite son micro pour jacter. Et alors que le chef ne lui donne pas l'autorisation de parler. Alors donc, Apolline, un conseil que je te donne, écoute bien ce que les auditeurs ont à te dire. Pour l'instant, tu me coupes pas la parole, d'accord? D'accord. Mais je t'écoute. Pour l'instant, tu la fermes. Bon, allez vite, parce qu'il reste plus beaucoup. Hein, là, je vais te dire une chose. Que là, pour l'instant, tu vas faire ton standard. Elle est là, Gérard. Hein? Ouais, elle est là. On sait qu'elle est là. Ça tient toujours chaud dans les studios. Elle est non, bonne. Mais c'est que quand t'es là, Gérard. Oh. Oh, 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 oh. Hey, fais gaffe à ce que tu dis, toi, d'accord? Parce que tu n'as pas commencé ton début d'émission. Non, mais... Je le sens. Hein? Parce que... avec toi, si ça continue, samedi, je vais la perdre. Mais non, on la retrouvera. On la retrouvera, on passera une annonce. Hé, t'es saloperie d'hier de vouloir m'embrasser sur la bouche. Tiens, tu te mets comme ça. Tu te mets un doigt bien profond dans ton chenu, espèce de... Quoi? J'aimerais bien si c'est le tien. Lance rien. Non, Gérard, je t'interdis. Je t'interdis sur elle, je te l'interdis. Attends, tu vas pas me l'interdire parce que c'est une place. D'accord? Ah non, c'est bon, stop, Gérard, là tu vas trop loin. Là c'est une anus. D'accord? Top! Alors maintenant tu vas fermer ta gueule. Et maintenant tu vas t'excuser devant des millions d'auditeurs. Mais ça passe pas en direct. Mais ça passe pas en direct. Pas de samedi. Mais j'étais aux toilettes, je suis pas au courant de ce qui se passe. Quoi? Non mais attends, tu veux m'embrasser sur la bouche
devant tout le monde. C'est pas grave, je vais le faire. Mais non, moi. C'est à la radio, y a personne qui le verra. Non, mais attends, et Sandy, qu'est-ce qu'elle croit, elle? Elle croit que je veux sortir avec toi. Mais non. Ah non, stop, Eo. Non, arrête, Eo. Là, ton paquet. Ah là. Oh, il a voulu t'enculer, Fulda. Non. Toi, je vais te dire une chose. À minuit, t'es viré de l'équipe. Minuit et demi. Oh non. T'es viré. Oh non. Dès que Max, il arrête, je te veux plus dans les studios. Bon, bah, conclusion quand même de cette réunion, parce qu'on va garder un petit peu de bande pour tout à l'heure. Bien. Rendez-vous tout à l'heure, minuit et demi, Gérard. Non, mais même là... Quoi, non? Rendez-vous minuit et demi ou pas? Bah ouais, bah...